Regardez ce halo de lumière qui tombe sur Kratos. Serait-ce un signe des dieux? Un signe des dieux qu'on va fracasser les uns après les autres? Salut à tous, c'est Kiwi. On retrouve Kratos pour le 14e épisode de God of War 2 remasterisé en HD sur PlayStation 3. Les petits amis, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines aventures. On va faire le tour de cette pièce, tenter de tout défoncer. Je ne pense pas que ça va fonctionner. Par contre, il va falloir obligatoirement que je me procure ces coffres. Il est hors de question que je ressorte d'ici sans ces coffres. Oh ben, ça sent également les pointes là. Hein. Je suis pas beaucoup rassuré là. Regardez les pointes qui sortent du mur. C'est quoi ces conneries? C'est bizarre ça un peu, non? Vous sentez cette énorme pièce pleine de pièges là? Ah, ce mur il peut se péter. Ce mur, il peut se fracasser. J'ai l'impression que il fume. Bah, c'était qu'une impression. Bon, j'ai peur de ce que je vais faire là. Allez, vas-y, c'est parti. Prends ton courage à deux mains, Kratos. On y va. Alors, je le sens pas du tout. Ah. Ah. D'accord. Ah. Attendez. Attendez. Laissez-moi. Laissez-moi choper mes coffres. Ah, voilà mon coffre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, non. Vous avez une poignée de manivelle. Non, je suis mort. Pas assez rapide, Kratos, pas assez rapide. Allez. Voilà. On sort de là. On sort de là. On les défonce, parce que sinon ils vont nous emmerder. Voilà, c'est bon, on a pris les coffres. Libère-toi de ça, Kratos, dépêche-toi. Du coup, il va se passer quoi, là? Allez, mais qu'est-ce que tu me fais, l'ami? Oh là là, comment c'est chiant, ça, comment c'est chiant, ça. Attends, attends, attends. Non. J'ai pas réussi à le tirer de là. Vas-y, bloque-le. Ok, mécanisme bloqué. Ok. C'est bon, c'est terminé. C'est terminé. On peut récupérer ça? Normalement, on a chopé tous les coffres. Hein. Je pense. Quoique ici, je n'y ai pas eu accès. Je pense pas que ce soit accessible. Par contre, il est un peu fissuré, hein, celui-là. Là. Il est un peu fissuré. Bon, on peut améliorer quoi, ça? Bientôt, bientôt. Petit coffre. Pas mal d'énigmes là-dedans, je pense. J'aime bien me garder les petits coffres de vie pour plus tard. Sait-on jamais? Ça, je prends. Amélioration, terre tremblante, dégâts accrus. C'est parfait. Il vous reste ce cos. D'accord. Intéressant. J'améliore quoi, ça ou ça?
Ça. Ah non, ça. 15 000, c'est pas gagné. Oh, y a encore des combats derrière qui se déroulent là. Encore une arène de combat? Allez, manifestez-vous les vilains. Qu'est-ce que c'est que cet énorme monolithe? Si c'est un monolithe. C'est quoi ce regard Kratos là? T'as des problèmes de vue? Il te faut des lunettes? C'est quoi ce truc là? Il faut la clé du bélier pour déverrouiller cette porte. Mais non, c'est pas vrai. Kratos il se penche, il le soulève de toutes ses forces. Et la porte elle pète quoi. Et voilà. Ici il y aura sûrement un truc à franchir. Sûrement, sûrement. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait quoi là? Ok. Un truc pour s'envoler. Ça je ne sais pas encore. Oh, il va y avoir plein de chemins possibles. Ah, tiens donc. Qu'est-ce que tu fais là toi? Oh dis donc. Il y a une sculpture de Boré, le dieu du vent du nord. C'est pas plutôt bourré? Quand t'es bourré, tu souffles dans une corne ou dans un éthylotest, c'est ça? Il faut le crâne du guerrier pour déverrouiller cette porte. Toujours plus de crânes. On va encore, comme dirait mon poteau, comme on get some, on va encore manquer de respect à des Maccabées au fond de leur cercueil. Poignée placée sur la manivelle. Ah, il y a une statue là. Dis donc. Ça va faire quoi? Ça éteint les flammes. Ça éteint les flammes. D'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'y comprends rien. Faudrait pas placer un corps ici? Ah, faut peut-être sauter comme ça là? Tac. Ah ouais, moi qui voulais... Ok, on va essayer ça. On va sauter directement. J'ai peur un peu de ce qui va se passer là, mais... pourquoi pas, pourquoi pas? Ok, c'est passé. C'est passé. C'est passé. Un point de sauvegarde. Oui, je prends. Rien par ici. Allez, petit passage. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Où êtes-vous? D'ailleurs, 1000 points de 1000 orbes, attendez. Hop. Voilà. C'est déjà ça de fait. Il y a comme une fuite de gaz là, non? Ah. Il y a des rideaux. Alors bon, on va pouvoir s'envoler. Ça c'est quoi? Ça ouvre quoi? D'accord. Ah oui, d'accord, ok. C'est pour passer au-dessus, c'est ça? Hop, je suis passé. Eh ouais, cher ami. J'ai réussi. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ouh, de la compagnie. Bonjour.
Comment ça va? Hello, vous? Tiens! J'adore les envoyer les uns sur les autres. C'est quoi ça? Ah, vous voyez, quand Kratos y veut, il peut soulever des grosses portes. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Attendez, j'ai l'impression de passer à côté de tellement de choses là. Oh. On n'a pas besoin de ces coffres pour l'instant. Pourquoi il y a un passage là-bas là? Bon, moi je vais tout fracasser. Allez. On fracasse tout. C'est comme ça. Ah mais oui, ça va nous servir à bloquer le truc là-bas, d'accord. Tout ça pour ça. Attendez, il y a peut-être un truc en haut. Pas du tout. Faut pas se soulever comme ça. Non, ça marche pas. À chaque fois, je tente de prendre de la hauteur en faisant ce coup-là, mais ça ne sert jamais à rien. Enfin, ça ne sert à rien. C'est pas une contradiction de dire ça ne sert jamais à rien. Ça veut dire que ça sert à quelque chose, du coup. Je sais vraiment pas parler, hein. C'est fou, ça. Heureusement que vous, chers viewers, vous ne m'en voulez pas. Il y a un monsieur prière là-bas, on va pas aller le déranger tout de suite. Ou soit il agonise, ou soit il est en train de faire une prière. C'est quoi ça? Allez, un peu de lecture. Non, pas... fausse alerte. C'est écrit dans une langue inconnue. Ah, fais pas semblant de lire alors. C'est pas possible, la porte est verrouillée. Bon, on avait dit qu'il nous fallait un crâne. Serait-ce un crâne d'un mec vivant alors? On va, du coup, on va offenser aucun mort. C'est quoi ce pilier tout là-bas au loin là? Serait-ce toi qui va m'apporter ton crâne, cher ami? Mais laissez-moi. Ah. D'accord. Ah bah attends. Ah, je peux te jeter comme ça là. Tiens. Ça t'apprendra à être aussi faible. Tiens. Bon, je sais ce qu'il faut que je fasse, ok. Faut que j'arrive ici avec la grosse pierre, que je la mette à ta place et que je te récupère. Pour foutre ton gros crâne dans je ne sais pas quoi. Vas-y. Je peux te pousser là, très très loin. Voilà, ça c'est bien. Allez, vas-y. Plus vite, Kratos. Je peux t'écraser contre la pierre, là? Entre la pierre et le mur? Tiens! Est-ce que je peux t'écraser comme ça? Enfin, si je te tue, je suis dégoûté. Attention! Bam! Non, ça n'a strictement rien fait. Tiens! Dommage qu'à chaque fois qu'il percute le sol, j'aurais bien voulu voir un petit geyser de sang, là. Vous devez protéger le traducteur. Oh, calme-toi. Tiens, vas-y, je vais te protéger comme ça, moi, tu vas voir. C'est bon, c'est terminado. Waouh, attendez. Par contre, il va y avoir des ennemis encore longtemps ou pas? Faut que je te protège, mais jusqu'à quand?
Désolé. J'étais pas protégé. Allez, viens. Magne-toi un peu. Allez, d'accord, j'ai ta vie en haut à droite. Ok, ça m'a l'air un peu tordu quand même. Faut que je foute ton gros crâne là-dedans, là. Waouh, waouh, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? On ne touche pas au traducteur. J'ai dit non. J'ai dit non. On ne touche pas au traducteur. Non, non, non. Je ne veux pas. J'ai dit non. Mais c'est fou ça. Vous allez me foutre la paix? Waouh, waouh. Attendez. Attendez, 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 attendez. J'ai dit, vous vous calmez. Attends, parce que toi, tu m'énerves. Viens ici. Viens ici. Ah, ça tape mon traducteur derrière, ça m'énerve. Ah là 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 là, là c'est pas bon ça. J'essaye, j'essaye. Ok, c'est reparti, troisième tentative les petits amis. Allez, on y va, on y croit, on y croit, on y croit. Allez. Faut qu'on fracasse tout le monde là. Allez. Allez, un tout petit peu encore. Allez, 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 allez. Ok, j'y suis arrivé. Ouais, dis donc, c'était pas facile, hein. Arrête de te consumer, Kratos, là. Ok. Oh, c'était pas évident du tout. C'était pas du tout évident. Par contre, ce soir, il est vraiment bien. Il fallait juste se servir du bon pouvoir, quoi. Alors, on va d'abord récupérer un peu de life, un peu de magie aussi. Voilà. Bon, on a fait le plein. Pouvoir aller voir ce traducteur pour voir ce qu'il me dit. Lis-moi ça. Entendez-moi, sœur qui contrôlait les fils. Allez, continue. Attends, on va t'écraser la tête sur le bouquin. Un autre cherche ce que seules les sœurs peuvent donner. Lis ça. T'as mon gars, tu vas plus arriver à lire. Sa très grande valeur. Non. Pitié, non. Je ne peux pas. Allez, vas-y. Accepte ce sacrifice de mon sang. Ah,
Ok. Du coup, j'imagine qu'on va le buter et qu'on va se servir de sa carcasse pour ouvrir le prochain passage. Attendez, comment le sang peut sortir autant de la tête là? C'est violent ça, oh! Mais quelle violence, Kratos! Quelle violence! Avec Kratos, la violence résout tous les problèmes. Chose qui n'est pas vraie dans la vie réelle, hein, les petits amis, on entend bien. Hein. C'est quoi ça? Sacrifice montre bien ta détermination à voir l'essor du destin. Toutefois, il ne s'agit que d'une étape minime sur le long chemin qui mène à l'Alliance. Ok. En tout cas, t'étais trop stylé, toi. Je t'aime bien. Pas récupérer le corps là. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon. Ça c'est pour moi. Hop, il se l'est mis dans le cul. Ça me fait... Non mais franchement, désolé mais attendez, qu'est-ce qu'il a fait là? Ça c'est pour moi, je me la mets dans le derche. Pourquoi? Il y a un problème? De toute façon, le premier qui me charge génoise, je l'éclate. Vous avez la clé du bélier. Hop là! Ok. T'as, si je rate des coffres ici. Je suis dégoûté. Ça sent le piège ou pas, non? Là, ça sent le mur qu'on peut fracasser, ça. Avouez. Non, ça ne marche pas. Allez, voilà. Oh là là, je me sens perdu dans ce palais là. Je frappe partout parce que je suis sûr qu'il y a un truc de caché. Un petit point de sauvegarde, tiens donc. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Ok les petits amis, j'ai fait un petit point sur le timer, histoire de voir combien de temps il me reste sur cette vidéo. Car j'ai beaucoup plus de rush que de temps prévu. Je sais pas si j'ai bien été clair là. Oui, d'accord. Ouais, bah ok, mais d'accord, ok. Pourquoi pas. Alors. Ici, il y a un truc là. Comment on y accède? Il faut le crâne du guerrier. D'accord. Le mur se fracasse ici? Est-ce que le mur se fracasse là? Pas du tout. Ah, j'imagine que là c'est pareil. Bon. Et voilà. Donc vous avez déverrouillé la porte avec la clé du bélier. Maintenant, Sésame, ouvre-toi. Ah, ça sent le gros piège, ça. Oi. Ça sent le piège.
Ça sent pas bon. Mais non. Mais non. Nous ne te permettrons jamais d'atteindre notre temple. Ah bon, ok. Ah bah écoutez, pourquoi pas. Vous allez m'envoyer les ennemis à l'infini? Et il va se passer quoi dès que je vais m'énerver là? Alors par contre, vous allez arrêter tout de suite. Je veux sortir de ce bordel, moi. Bon. On va se servir de ça, c'est pas grave. Libérez-moi. Je suis une célébrité. Sortez-moi de là. Je suis le grand seigneur Kratos. Arrêtez vos bêtises. Non, les murs se rapprochent. Les murs se rapprochent. Ah. Ah, j'ai un peu paniqué à un moment là. Par contre, j'ai usé toute ma magie. On peut faire le plein? J'aimerais bien. Voilà, ici, non, pas de vie, plein de magie. Elle sert, hein, cette petite magie. Hein. Vraiment très bien. Hein. Alors je vais tout faire pour l'améliorer à fond, en priorité. On peut pas le casser ça? Ça ne marche pas. Oh le petit coffre, dis donc, serait-ce toi qui étais planqué derrière les... Non, c'était pas toi. Par contre j'ai vu un truc bouger par là-bas. C'est mon imagination ou comment ça se passe? Kratos, tu ne sais pas ce que tu fais. Toi, faut que tu arrêtes de parler à travers les statues. Bien plus importante que ta vengeance. Bien plus importante que ma vengeance? Je crois pas, non. Ah mais je préfère croire Gaïa que Zeus. On ne peut pas faire confiance aux titans. Oui, c'est ça. Ça c'est la statue de Hadès. Zeus craignait la destruction de tout ce qu'il représente. Dieu des enfers. Ça c'est je sais pas. C'est Hélios. Oh, bien joué, dieu du soleil. Bien joué. Ça c'est un mec en toge. on verra ça plus tard. Il faut que je devine. Ça c'est Zeus, roi des dieux. Ça c'est Athéna, trop facile. D'ailleurs, Athéna peut te fracasser la tête là. T'as pas envie. Hein. Ça c'est Arès, dieu de la guerre déchu. Et du coup, ça c'est qui? Ah, c'est Poséidon, mais je t'ai pas reconnu, t'as pas ton trident. Bon. Et ça ici, c'était censé être moi, c'est ça? Il y a des emplacements qui sont pas occupés. Est-ce normal? Ouais, je vois des coffres rouges un peu partout là. Un point de sauvegarde. Ça sera bien pour la fin de l'épisode, ça tient. Parfait. Ah, c'était un trou. Ben, je savais pas ça. Comment je peux le deviner? Personne ne me l'a dit. Attendez. Il y a un passage par là? D'accord. Effectivement. Ça se remplit assez vite, hein.
Ça se remplit assez vite. Alors, comment ça marche? Ok, faut juste continuer. C'est quoi ce truc qui est vide là? Si j'avance là, c'est un piège? Ouais, je sens le traquenard là. Je sens le traquenard, ça fait un chargement. Bon, les petits amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans le prochain très rapidement. Je vous dis à plus. Salut à tous. Bye.